Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour deux bullish, sinon rien. On va essayer de s'appliquer. La lumière est un peu bizarre, on ne voit pas, mais pourtant il fait jour. C'est chelou. Attends, si je cache la lumière, le capteur qui doit être dans le coin. Non. Ok, un 100 balles, c'est toujours bon à prendre. Allez hop. Il y a des endroits où si je mets ma main, la lumière s'éclaire. C'est bien que le capteur ajuste, tu vois, par là, là. Dans le coin le capteur. Bref, on a relancé, non? Oui. On touche deux paires. Il y a 7 et 9, les cœurs qui font un peu chier. Le cœur est un peu pourri, je tiens à le dire. On va quand même le miser. Je le mise pas trop fort parce que s'il me revient dessus. Est-ce que je suis enclin à laisser tomber mes deux paires? C'est ça la question. Les mains qui me battent. Bon, ça va, ils se couchent. Comme ça m'évite le mal de crâne. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est pareil, il y a le micro qui est dans le coin en haut à gauche. Il ne faut pas que je le bloque, sinon ça vous allez rien entendre. Bon, alors Dame 4, on va se coucher gentiment, hein, bien sûr. Valet 5. Valet 5, off. 80. Un petit peu cher. Sauf que le mec il a un pseudo in extremis ou un truc comme ça, tu vois. Donc in extremis, donc le mec genre avec un pseudo un peu comme ça, un peu travaillé, tu vois, in extremis, genre jeu de mots avec in extremis. C'est peut-être un mec, tu vois, qui a un certain niveau mental entre guillemets. C'est peut-être pas Dudule du 43 530, tu vois, par exemple. Ou là, Dudule, tu te dis quand même qu'il n'est pas forcément très fort. Même si ça peut être un gros leurre. Bon là, évidemment, paire d'as, on relance. Waouh! Eh ben, on espère que ça passe. Allez! Allez! Ah, il faut que ça passe là. Allez, allez, allez. Hop là! Ah, 80-20. Ouais. Oh putain. Ouh putain, il touche un 6, un valet ou un 7 et je l'avais dans l'os. Ok, check, on joue les 5 sur celle-là. C'est ventral. Ah, le 80-20 qui passe, ça fait toujours plaisir. Et ben là, le mec relance, je vais le sur-relance. Là, je vais payer une fois ma ventrale quand même. On est toujours sur le 5. On va payer une deuxième fois. Et là, ben là, mon petit pote, je vais miser, hein. Ah, oh, merde! Ah, oh, mon bluff a raté. J'ai voulu. Il a check son roi. Il m'a pas cru sur les cœurs. J'aurais peut-être. Je crois que j'aurais réussi à le mettre tapis et à le faire folder. Je suis pas sûr. Hein. Je le voyais pas aussi beau que ça. Enfin, on a 10 blinds. Hein. Là, on a un roi merdique. Hein. Mais bon, tant pis, je vais quand même pousser. C'est le poker, j'ai raté mon bluff, c'est un peu dommage, je suis un peu déçu là pour le coup. Ok, une deuxième paire d'as, est-ce qu'elle va me servir? Voilà, j'ai 11 blindes, j'ai deux joueurs en face, je vais attendre un peu et puis je vais mettre tapis hein, de toute façon. Allez! Oh non! Oh là là! C'est quoi ces joueurs? Bah là, c'est pareil. Allez, hop, 13 blindes. Les mecs, il a plus que 12. Là, normalement, je pourrais limp. S'il me met tapis, c'est relou. Et en même temps, il a pas l'air particulièrement agressif, le mec. Donc, je vais rester sur du 2x en position. Il est encore au-dessus de 12 blindes. Ah, putain. Je vais payer, tant pis. Ah, il est léger. Hein. Il est léger. On joue les valets. On joue 4 cartes, c'est pas beaucoup. Oh! Oh! Préflop, on devait être à 60-40, hein. C'est ça, madame couvre 105 et c'est. Ok,
Ok, mon disque ouvrait, était couvert par son as. On va regarder ça. Alors ça va être de traviole, hein, vous en voulez pas. C'est le logiciel qui est pas fait pour... Le mec qui a fait le logiciel, c'est un abruti quoi. Attends, il avait l'as qui couvrait. Voilà. Et mon 10 de carreau. Merde, non, c'était quoi? Attends. Ouais, attends, c'est à moi de jouer là. Je crois que je vais peut-être pas non plus perdre mon tournoi. Je vais fold. 3 et 9, c'est trop juste. 10 et 8, c'est un petit peu juste. Attends, c'était quoi? C'était As-5 contre Dame-10. Et son As couvrait mon 10 et ma Dame couvrait son 5. Ok, on y est presque. Voilà, bon, il limpe, on met tapis. Hein, 13 blindes. Pas de limper. No limp with me. Voilà, je prends le risque, je prends le risque. 14 blindes, c'est pas grave. Ouh, ça c'est moche. Oh, Roi-10. Oh non, la Dame. Oh là là, le 10 peut-être. Oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les mecs, ils ont deux merguez atomiques. Bon, le Roi-Dame, c'est déjà mieux. Mais Roi-10, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, le Roi-10? Roi-10, il a rien à faire dans le coup, sérieux. C'est Abby Clown, en plus. C'était le chip leader. Bon. Eh ben, écoutez, ça sera une petite vidéo. Deux bullish sinon rien. On n'a rien pris. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.